Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour un petit jeu fantasy, monstre, donjon, gobelin, elfe, dragon, magicien, voilà, monstre, un jeu RPG fantasy assez connu en France, c'est Check and Fidget. Alors là, c'est en jeu flash, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est son navigateur. Mais bon, là, c'est en jeu flash, donc on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, il faut qu'on choisisse notre classe. Il y a Berserk avec beaucoup de force, très peu d'intelligence, beaucoup de chance. Il y a Guerrier, d'accord. Magicien avec beaucoup d'intelligence. Éclaireur, beaucoup d'habileté. Assassin. Ça change rien du tout, je crois. Je crois que ça change rien du tout au final. Peut-être, je sais pas. Si, sûrement les stats au final, ça te met des stats de base. Alors, quel personnage on va faire? Attends, juste ouvrir sa coupe. Va peut-être se mettre. Désolé. Alors déjà, on va faire une meuf parce que j'ai l'impression que les gars ont une sale tête là sur ce jeu. Peuple, humain, elfe, nain, gnome, démon, gobelin, elfe sombre. On va faire un elfe classique. Ça, la bouche. Va mettre ça, sourcil. Le nez, il faut un petit nez d'elfe. Hein. On va pas se mentir. Sa oreille. Allez, les oreilles avec les boucles, on se fait plaisir. La couleur de cheveux. On va se foutre en blonde comme ça parce qu'on a aucune personnalité. Et la coupe. Bon, bah, classique comme ça.
plus ou moins beaucoup de temps, et c'est toujours facile d'y revenir, facile d'accès. Et voilà, la mission est terminée, et on se bat contre le lapin monstre. Il est mort, on a gagné de l'XP, de l'or et cet objet, cette plante que je t'ai parlé. Je vais aller voir dans mes objets, la plante est là, et donc ça, apparemment c'est une sorte de relique, donc on peut l'équiper. Et voilà, on l'a équipé et notre chance s'augmente de plus 3. Alors évidemment, tu dois. Ah, il y a des donjons aussi. Bah, j'en ai débloqué aucun. Tu ne peux pas encore accéder à cet endroit. Les tables, je propose des contrats de location pour mes montures. De toute façon, tu gardes un peu d'argent et tu peux te déplacer quand tu veux. Il y a des montures. Je pense que c'est pour ne pas utiliser l'énergie des quêtes. Là, t'as des forteresses. C'est ta forteresse où tu peux construire des choses. Là, la boutiquière. Donc, lui, il vend des objets. Donc, lui, il vend des anneaux. T'as l'armurier qui évidemment vend des armes. Par exemple, là t'as une fronde un peu meilleure que la mienne. Enfin, pas tant que ça au final. T'as par exemple des vieux haillons, là, des vêtements, des choses. Et tu peux mettre un nouveau stock en payant des champignons. Alors après, je sais pas si ça se réinitialise aussi au fil du temps. Voilà, sinon t'as ça, Docteur Wambo. Tu as 0 pièces de chance, tu as un lancer gratuit pour 10 pièces de chance. Tu peux lancer la roue jusqu'à 20 fois, je peux lancer toujours gratuit. On peut lancer la roue une fois, je crois. Voilà, on peut lancer la roue une fois, on va voir sur quoi on tombe. On a gagné 1 de poids. Voilà, c'est nul, mais c'est pas. Et là, par exemple, regarde, t'as des. Là, c'est l'arène, par exemple. Donc, l'arène, tu peux te battre contre des gens, tout simplement. Tu peux te battre contre des personnages ennemis. Il est niveau 1, il a genre 14 d'endurance, donc j'ai pas plus que lui, mais je peux quand même essayer de le battre. Par exemple, je peux essayer d'améliorer mes stats aussi. Donc on va par exemple un petit peu s'augmenter son habileté. Donc tu vois que c'est de plus en plus cher. On va s'augmenter un petit peu son endurance et on va s'augmenter un petit peu sa chance. Essayer de se battre contre le mec à moins d'endurance, donc l'assassin va essayer de se battre contre lui. Il a le moins de vie aussi. H, il est niveau 1, donc j'ai un niveau de plus. J'ai plus de vie du coup. Lui, il a beaucoup plus de vie que moi. Par contre, tu peux voir, hein, c'est le rang, ça. C'est le rang. On teste. Veux-tu te battre contre H dans l'arène? Les 10 premiers combats de chaque journée sont spéciaux. En plus de garder l'honneur et de l'or, chaque victoire te rapportera également de l'XP. Allez, on part sur un combat. Ok, un petit coup. Allez, on tape, lui il me lance des. Il me tire dessus à l'arc et moi je lui tire dessus. Oula, il fait très mal. On a réussi à le tuer. Et voilà, on a gagné le premier combat. Avec les coups critiques, ça peut vite dégénérer. Et là, tu vois, ça augmente les mecs. Maintenant, on tombe contre des gars niveau 2. On va essayer de se battre contre ce mec niveau 1 qui est un berserker. C'est parti. Maintenant, faut que je paye. Tu es à bout de force. Ton prochain combat est possible à 10h37. Ah, ok. Donc, on peut faire un combat toutes les 10 minutes. Ou alors, faut payer des gens un champignon. Les champignons, évidemment, on n'en a pas l'infini. T'en gagnes de temps en temps, je pense. Sinon, tu peux les payer avec du vrai argent. Donc, là, par exemple, on repart pour une quête. Alors, lui, il m'a l'air suspect. Par exemple, on peut gagner 33 secondes. Je regarde un peu les autres gens.
aussi un habit en plus. C'est parti. Donc, salut mon pote, t'arrives pile au bon moment. J'ai besoin de quelques tonneaux avec des ressources. Rejoins le désert Nafnouf, ramassant un minimum de 4 et reviens vite me voir. Reviens me voir. Des questions? Voilà, donc tu pars. C'est parti. Et voilà, ça ramasse les choses. Alors évidemment, tu ne peux pas attaquer d'autres joueurs. Oui, on ne peut pas attaquer d'autres joueurs, mais pendant que la mission se fait, tu peux regarder ton équipement. Tu peux regarder les boutiques de l'armurier, de l'apothicaire. Tu peux regarder un petit peu tout, améliorer ta forteresse. Mais ça coûte 10. Je sais pas à quoi sert la forteresse. Tu peux créer une guilde. Là, c'est pour envoyer des objets. Donc ça, c'est le Panthéon. Avec les meilleurs joueurs. Ouais, donc le jeu a l'air quand même français de base, je pense, parce que les mecs premiers sont des Français. Moi, je sais pas en fait, j'en ai aucune idée. J'ai toujours pensé que c'était français, mais c'est peut-être faux. Hein. Et donc là, voilà, la mission est terminée. On est contre le dragon de feu et il est mort. On a gagné l'XP, l'honneur, l'or et l'équipement qui était écrit. Donc, en l'occurrence, vieux haillon qu'on va aller équiper tout de suite. Il est là, on gagne 7 d'armure grâce à cet équipement. Ce qui fait qu'on peut retourner dans la taverne. Alors lui, il ressemble à un touriste. Donc on clique dessus. Toi là-bas, t'es du coin, je recherche quelqu'un qui connaît la région et qui n'a pas froid aux yeux pour relever quelques défis. T'es mon homme. Alors on a le choix entre trois missions. Là, il y a l'instant, rien de fou au niveau des armes. Mais par contre, en termes d'XP, elle dure une douze, mais elle donne 1030 XP. Donc on est parti. T'as rien à faire ou quoi? Je veux ce truc. Comment s'appelle-t-il? Tu sais bien ce truc, quoi. Traverse le désert, coup de soleil. Si tu effectues la danse de la pluie, ce que tu cherches tombera du ciel. Allez, dépêche-toi. Tu sais que je ne peux pas vivre sans. Alors, tu le fais ou pas? Donc là, on est parti pour la danse de la pluie. Pour qu'il ait son truc. Passer les choses en appuyant là-dessus. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. Permet de. J'ai gagné un autre sablier de l'impatience. Je suis monté niveau 3. En fait, je voulais juste tester si on pouvait. Enfin, je voulais voir combien j'avais de points. Mais je voulais pas passer le truc direct. Je pensais pas que ça passerait direct. Voilà, donc ça continue d'avoir compris le principe du jeu, je pense. Le comique, tu cherches un job, je veux l'artefact le plus puissant du monde, rejoins la forêt pourrie. Tu y rencontreras un type avec des dreadlocks. Il va te donner la marchandise, ne t'en fais pas si ça ne marche pas. Et maintenant, allons danser. Donc là, ça part. Ça dure une minute et on a l'XP, l'or, comme d'hab, et un équipement. Je sais pas si je peux passer les choses à l'infini. C'est bizarre. Sauvegarder le personnage. Pour sauvegarder le personnage, il faut que je m'inscrive. Donc, je le ferai à la fin. Ah, mais attends, on est où là? Bon, j'ai fini ma quête. Voilà, on a gagné ça et je suis monté un niveau. Je vais aller équiper mes manchettes. Et comment j'ai fait pour aller là où il y avait tout. C'est là. Voilà, t'as tout par exemple, tu vois. T'as la taverne, t'as la reine, elle est là. Dans 3 minutes, on a un combat contre un joueur. Les tables. Voilà, t'as un peu tout, quoi. L'armurier, l'apothicaire. Alors, heureux. Et je viens de me rendre compte que ça fait depuis tout à l'heure que je parle dans le vent, après ma reprise. Donc oui, je disais que c'était très compliqué de faire la vidéo là.
Ce qui rapporte le plus.
Vie.
dit, ça doit être un peu tard pour devenir premier du jeu maintenant, depuis le temps que le jeu existe. Alors là, il y a un cristal flottant. J'ai aucune idée à quoi ça sert. Mais bon. Donc j'ai envoyé un mail à mon compte. Hein. Parce que je l'ai déjà dit aussi. Ce qui fait qu'on pourra valider mon compte et normalement retrouver ce personnage. Est-ce qu'il n'y a pas des mini-jeux à la con, genre où tu peux jouer en attendant des jeux de hasard, des jeux de cartes? On peut pas aller, tu vois, on peut même pas aller à la taverne quand on est parti. Bon, c'est un peu logique, tu me diras. Ouais, j'aurais rajouté un petit truc en plus, je sais pas. Un jeu de dames avec les joueurs, je sais pas, tu vois, un truc comme ça, tout simple. Tu peux y parier de l'argent, ça serait sympathique. So, moi, franchement. Histoire de le faire. Alors je vais lui vendre. Attends, la force sert à quoi? La force. La tête à te défendre contre eux. Oh, vas-y, qu'on mette ça. Ah oui, ça donne de la défense. D'accord. Ok, bon, bah, par contre, celle-là, je peux lui vendre. Voilà, merci pour la thune. Une sale tête. Hein. Mais y a la tête est dégueulasse. C'est un peu triste pour une succube. Hein. Heureusement, elle a le. Mais la tête, gros. Elle a les dents. Hein. Chelou, hein, mec. Je sais qu'il y a la webcam devant, donc tu vois peut-être pas forcément. J'aurais peut-être dû mettre la webcam au milieu d'ailleurs. Et c'est pas. Ça peut être un peu compliqué quand même. Je regarde un petit peu les scampons.
Si tu regardes tes pubs, c'est malin. C'est malin, c'est malin. Ah, tu vois, du coup, j'ai envie de m'acheter un meilleur arc. Mais au final, il fait 4-6. C'est pas des arcs ouf. Enfin, c'est pas des arcs, pas des frondes ouf. J'ai un peu deg d'avoir perdu le combat. C'est franchement, ça s'est pas joué à grand chose en vérité. C'est dommage. Alors,
On va faire un dernier combat et puis après on arrêtera. Dernier combat contre un joueur. Je veux te dire. J'ai gagné un sablier de la patience. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Alors avant, on va... J'ai envie d'attendre 5 pièces pour voir. Mais après, j'ai envie de me faire ma propre guilde, en fait, aussi. Donc, on va garder et on va utiliser nos points pour augmenter la puissance de notre personnage. 4 endurance et j'ai 1-8 pour la chance. Alors la reine dans une minute, tu sais ce qu'on va faire, on va parler à lui déjà. Je
16 secondes, on attend, on attend. On peut partir genre 10 heures, tu vois. Tu joues pas pendant 10 heures. Et bah, t'auras des pièces. En conséquence. Alors, la reine, on va prendre un adversaire niveau 9. Oh, je sais pas si je pourrais. Attends, je peux même pas battre contre un mec de ma guilde. Genre 2100 points de vie, moi j'en ai 1000. What the fuck? Lui il a 2000 points de vie d'avoir des équipements, c'est pas possible. Bon bah on va se battre contre lui, désolé. Moi je suis sûr de gagner. Quoique. Oh il est chaud lui. Oh il a de l'équipement lui. Allez esquive, esquive. Allez mets du dégroupir dans son front là, son front de schtroumpf. Tu ne m'auras jamais. Je suis Eozosi, l'elfe blond de l'ASMR. Bim, en vrai au début il m'a bien défoncé la gueule. Tac. Et voilà, là c'est un peu plus équitable pour les ennemis, les adversaires. Alors moi ce que je vais faire du coup, c'est que je vais valider mon compte. Et après je lancerai un garde pendant 10 heures vu que je vais pas rejouer. Je vais peut-être rejouer ce soir pour faire une vidéo. Je verrai si ça t'a plu. En tout cas voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Chaque fidget, la première de la chaîne. C'était sympathique.